Alors salut vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous pouvons faire papier 1-2 de mai-juin 2019. Alors sans plus tarder, bien sûr, passons en question numéro N. Alors ici nous avons évalué 4 lots 7 divisé par 5 lots 8. Alors très simple, étape par étape. Quand nous avons une fraction divisée par une autre fraction, nous laissons premièrement pareil. Alors 4 lots 7 reste pareil. Nous sans diviser là, fait les vignes multiplier. Ensuite, nous devons envoyer ça là-haut et envoyer ça en bas. La cause, ça l'évine multiplié, ça l'évine 8 lots 5. Alors, ce qui fait nos sens diviser l'évine, faire l'évine multiplier, la cause, nous connaissons les plus faciles pour faire multiplication qui division. C'est ça la raison pour laquelle nous faisons. Ainsi, nous pouvons faire directement. 4 fois 8, c'est 32. Et 7 fois 5, c'est 35. Alors, très simple, par exemple, encore une fois, and notes on the side. Si nous avons A divisé par B divisé par C divisé par D. Des fractions, ça peut venir. Premier, la reste pareil. A à B. Nous, sans diviser, fait les vignes multiplier. Et là, nous flippons ça en bas là-haut. D vignes là-haut, C vignes en bas. Alors, ça les met comme ça, ça te réponse partie A. À cette question, partie B, nous devons évaluer route de 64 retirée cubique route de 125. Alors, étape par étape, nous connaissons que cube root, c'est en fait power half, d'accord? À ce terme, nous devons connaître que 64, c'est en fait quoi? C'est en fait 8 power 2, d'accord? Alors, root 2, ça, c'est ça power half, ça veut dire 8 power n, alors ça fait 8. À ce terme, cubic root, c'est quoi? Cubic root, c'est en fait power n au 3. Alors, 125. Nous connaissons li 5 fois 5 fois 5, ça veut dire 5 power 3. Et astia sur cubic root, ça veut dire ça, power n au 3. D'accord? Ça coupe, fait 8. Remplace ça de nous, équation. Ça l'ici, 8. Retiré. Et là, ça c'est 5, sorry. 5, fait réponse 3. C'est question pour Chibé, question numéro n. Passons à la question numéro 2. Dis-toi, use a straight edge and a compass only in this question. Alors, ici, tu as servi la règle et avec ton compas. Alors, nous dessinons le locus of points en rendant un H-shape A, B, C, D là. Avec un point qui dit equidistant, nous faisons equidistant, même distance depuis A, B. Et BC. Tu réalises qu'il y en a B ici, B et B sont communs. Ça veut dire, nous comprenons, nous faisons dessiner N, angle bisector de long B. D'accord? Dit, la cause, nous faisons N, même la ligne qui est un point, qui est le locus point, même point qui est équidistant depuis AB et BC. Ça veut dire, exactement au milieu, différent N, angle bisector for angle B. Alors, étape par étape, comment nous faisons ça? Nous allons prendre le compas, d'un côté point B, tu mets une distance, tu dessines un arc, là, sa line là, et que ça, la ligne ici là. Et là, tu prends la même distance, tu as le côté de point ici là, tu dessines un arc ici en dedans. Et tu prends même distance encore une fois, donc c'est un point ici là, et que là tu joins avec l'autre arc. Alors ça, point intersection là, c'est une indication que tu joins ça avec ça pour te former ton angle bisector for angle B, pour que tu graves satisfaire ta condition qui divise locus of points en dans un shape là, divise en dans, qui est équidistant depuis la ligne AB avec CB, BC. Ok, ça c'est la réponse partie 2. Ok, assez passons à question numéro 3. The height of water in centimeters in a river is recorded every week for 10 weeks. Ça veut dire, fondée de l'eau en centimètres de la rivière, nous mesure pendant 10 semaines. Alors, chaque semaine, nous mesurons
fondait de l'eau fondait la rivière en termes de centimètres. OK? The heights of the water compared to its normal level are listed below. Ça veut dire, nous prenons mes mesures fondées là. Donc, on peut aller avec ce niveau normal, normalement. Et nous gagnons la différence. Ça, c'est bon, valait nous gagner là. À ce que nous faisons une question comme ça, quand nous avons la liste de numéros, nous faisons réarranger mon numéro là, in ascending order. Ça veut dire, des plus petits jusqu'à plus grand. Alors, commencez pas. Ça, là, il est bon. Moins 45. Là, nous vous gagnons. Moins 35. Et là, ensuite, nous prenons. Moins 30. Ensuite, nous prenons moins 20. Et là, moins 10. Et là, nous prenons 0. Et là, 5. 20. 25. Et finalement, 40. Alors, le but, c'est réarranger ce numéro-là. Depuis plus petit jusqu'à plus grand. Ça, c'est l'étape numéro 1. À ce ici, nous faisons walk out the range. Walk out the range. C'est pour définition que la range, c'est de valeur maximum. Retirer ton valeur minimum. Alors, maximum, c'est valeur pour ici, là, 40. Nous retirer. Minimum, c'est moins 45. Alors, nous connaissons. Moins, moins 20, plus. 40 plus 45, fais-toi. 85. Réponse pour Tia, 85. Alors, ça, c'est plus important, nous connaissons. Range égale maximum value. Retirer mi, minimum value. À cette partie B, nous faisons calculer de mine. Alors, mine, comment de route mine? Nous faisons la somme de tous les numéros divisé par nombre de numéros. Alors, somme, ajoute tous les numéros là-haut, n par n. Alors, notre affaire étape par étape, moins 20 plus 20, 0. Alors, à couper. 0, c'est 0, bien sûr. Ensuite, nous avons 5 plus 25, c'est-à-dire 30. Ici, nous avons moins 30, c'est ça pour couper avec moins 30. D'accord? Et que là, nous avons moins 45. Plus 40, fais-toi, moins 5. Là, nous avons moins 5, moins 35, fais-toi, moins 40, moins 10, c'est moins 50. Alors, si tu ajoutes tout, il fait-toi, moins 50. C'est divisé par ce nombre de numéros, nous avons 10 numéros en tout, divisé par 10. Réponse vine, moins 5. Alors, de mine égale somme divisé par le nombre de numéros, somme, fais-toi, moins 50, divisé par 10, moins 5. Question numéro 3. À cette façon, question numéro 4. By writing each number, correct to one SF, one significant figure. Nous faisons estimate sa valeur là, sa fraction là. Alors, étape par étape. Nous avons le numéro ici avant, 71.n. Alors, correct to one SF, to one SF, un numéro ici. Alors, nous laissons premier numéro là en place. Ok? Demande-nous, est-ce qu'il y a le numéro ici là? Est-ce qu'il est plus grand ou égal à 5? La réponse est non, parce que n, bien sûr, est moins que 5. S'il est moins que 5, devant, il reste pareil, et que les restes sont 0. OK? Ça rend là, les 32.4. La cause du 1SF nous laisse ça au 1 là, numéro devant en place. Nous demandons si ça rend là, est-ce qu'il est plus grand ou égal que 5? Réponse, c'est non, bien sûr, 2 est moins que 5. Alors, promène les restes en place, et les restes sont 0. Et que ça rend là? Nous prenons le numéro 1 dans là, l'hypo 0.98. Square, nous ne pouvons pas oublier l'hypo pour l'instant. À ce stade, ça n'a une différence. La cause, tout commence par 0. Nous ne pouvons pas prendre compte 0. Nous devons commencer par un numéro après là. Là, l'hypo n, 1SF, nous laisse ça en place. Là, nous avons 9. Nous demandons, est-ce que 9 est plus grand ou égal que 5? Réponse est, bien sûr, 9 est plus grand que 5. D'accord? Alors, nous devons plus n devant, on va dire n. Plus n, fais-toi, 2, là, les restes sont 0. D'accord? Alors, on place ça dans nos fractions. Donc, on gagne soit 10, retirer 30, divisé par 0.2, square. Alors, soit 10, retirer 30, fais-toi 40. 40 divisé par 0.2, square. À ce qu'il y a 0.2 square. 0.2 square, c'est en fait 0.2 fois 0.2, fais-toi. Alors, comment tout faire? Donc, on va faire 2 fois 2 avant. 2 fois 2, c'est 4. La cause ici, nous avons n decimal place. Ici, nous avons un autre decimal place. En tout, nous prenons 2 decimal place. Alors, nous comptons n, d. Alors, réponse vient 0.04. Alors, on remplace ça ici. 40 divisé par 0.04. Divisé par 4, top gain, 10.
divisé par 4, tu obtiens 0,01. Assez pour te faire avec n là, tu obtiens fort rapport. Valeur 2. 200. Là-haut en bas, tu gagnes 1000, low n, tu prends ce temps, 1000. D'accord? Alors ça c'est question numéro 4. C'est passons en question numéro 5. The lamps are made in a factory. Nous faisons la lampe dans l'usine. A random sample of 50 lamps are tested. Là, nous prenons 50 lampes, la lampe, nous testons les autres. Nous trouvons dans 50 la lampe là, 4 lits, lits faulty, 4 lits, 4 lits cassés, 4 lits pas fonctionnent bien. Alors, dans 50 la lampe, nous avons 4 qui faulty. D'accord? À ce moment-là, nous prenons un batch de 4000 la lampe. Is made in one hour. Nous faisons ça. En tout, nous faisons 4000 la lampe. Et question c'est, calculer combien entre ça dans sa 4000 la lampe là, nous pouvons expect qu'il faut -il. Nous faire pas ratio, que ça veut dire? Un problème. 50 la lampe, nous pouvons avoir 4 faulty. D'accord? Alors, on dit n la lampe, nous pouvons avoir 4 divisé par 50 faulty. À ces 4000 la lampe, nous pouvons bien sûr pour faire 4 log 50. C'est n fois 4000. Alors ça fait ça, couper, couper, divisé par 5, fais-toi 80. Alors ça fait toi 320. Alors donc 4000 la lampe, nous pouvons expect 320. Pour bien, faulty. Ça c'est question numéro 5. Assez passons à question numéro 6. Daniel Ernst. $760 each month. Ça veut dire Daniel il gagne et la paye de $760 par mois. Ok? Assez il paye 15% taxes là-dedans. Nous allons calculer combien Daniel il a après qu'il ait payé sa taxe. Étape par étape. Avant le rôder, mais combien de taxes il paye en fait? 15%, 15% c'est 15, 200. Nous fois la paye là, 760, c'est combien? Ça coupe et coupe. Tu es capable de diviser par 5, tu gagnes 3, tu gagnes 2. Divisé par 2, tu gagnes 1. Par 2, tu gagnes. Fais-toi 3 ici, n resté 8. Alors fais-toi 3 fois 38. N pour n. 3 fois 8, c'est 24. 3 fois 3, c'est 9. 9 plus 2, fais-toi 11. Alors, libé au temps, taxe, pas moi. Ça, c'est le montant de taxe. Mais tu as bien rodé combien de casse est resté après qu'il ait payé ce taxe. Ça veut dire, sur la PLI, 7,60, retirer ce taxe. Fais-toi 5, 10, tu as fait 6, 4 et 6. Réponse est 6, 46. C'est sur la PLI après qu'il ait payé ce taxe. À cette question pour Tibet, Daniel investe 1200 roupies, $200 dans un account saving. Assez à quand il paye simple interest. Simple interest avec un rate de 2% pour l'année. Question c'est what amount of money in the account après 6 ans. Alors très simple, la cause est simple interest, donc on a une formule qui relie avec simple interest. Ça veut dire amount égale pi plus pi RT. À ces formules qui nous a servi quand nous connaissons un simple interest. Amount, numéro 0, ça ne pas connaître. P, c'est de investment, le principal, c'est ça. Investment, c'est 1200 plus 1200. Ton rate, c'est 2%, ça 2, le 100. Fois ton T, T, c'est time. In years, c'est 6 ans. Alors ça, c'est coupé, coupé. Coupé, coupé. Ah, pour faire combien? Tu gagnes 1200 plus 2 fois 6 fait 12. 12 plus 12 fait 144. 1200 plus 144 fait toi 1344. Alors, réponse, le montant c'est 1344. À cette question, pour JB. À cette question, numéro 7. Nous devons find the fraction that lies exactly halfway between 3 log 5 et 3 log 4. Nous avons la fraction là qui est exactement au milieu à des fractions là. Très simple. L'étape numéro 1, c'est ajouter ça là. Donc, 3 log 5
plus 3 log 4. Ah, c'est la cause de base différente. Nous avons la même façon pour faire une pareille. Admettons nous CVC, nous ne pouvons pas multiplier les autres par ce camarade. 5 fois 4, c'est 20. Les anneaux cross-multiply, 3 fois 4, c'est 12. Non, plus là, plus. 5 fois 3, c'est 15. Alors, 12 plus 15, fais-toi, 27, divisé par 20. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est prends sa valeur là, divise ça par 2 pour autre valeur in between. Divisé par 2, c'est la même chose qui fois half, ok? Alors, simplifier, tu gagnes 27 log 40. Réponse, partie 7, c'est 27 log 40, le fraction qui est exactement au milieu, ça dit là. Alors, passons à question numéro 8. A drink is made by mixing fruit juice and water in the ratio of 3 à 5. Ça veut dire, ça libère jus et ça libère de l'eau, water. Ça, c'est la boisson. On fait la boisson avec jus avec de l'eau. Mais ce ratio lit, jus lit 3, de l'eau lit 5. Ah, c'est ça. En tout, the drink, la boisson, en tout, nous servit 2 litres de l'eau. Alors, nous connaissons, de l'eau ici, besoin de 2 litres. D'accord? Alors, nous ne pouvons pas ça. Comment fais-tu ici? Je fais un peu ratio. Par exemple, je dis 5 égale 2 litres. N plus égal, N plus égal 2 divisé par 5 litres. Mais c'est juste si 3, nous avons 3, 3 plus égal, de l'eau 5 fois 3. Et toi? 6 log 5 litres. À cette question, calculer the amount of fruit juice used, c'est autant, mais give your answers en termes de millilitres. Millilitres. Alors, nous comprenons, c'est pour faire n litres, millilitres égale 1000 millilitres. Alors, pour convertir litres, fais les vignes, millilitres, nous allons fois les par 1000. Alors, très simple, 6 log 5 fois 1000. Fais-toi, fais-toi, descends, tu gagnes 1200 millilitres. C'est question numéro 8. C'est passé en question numéro 9. You know? A car starts a journey from rest. From rest, ça veut dire from the speed of zero. Début commencement, ce speed est zéro. Alors, quand time est zéro, ce speed est bien zéro. C'est le premier point. I said it moves with a constant acceleration for 20 seconds. Là, 0 plus 20 secondes, fais-toi, 20 secondes ici. I said, nous connaissons qui? Il arrive à une speed de 15 mètres par seconde à time 20. En 20, so speed divisé 15, c'est là, divisé là. OK? Et qu'ensuite, it then moves with a constant speed. Alors, après, il move avec la même vitesse pendant 40 secondes. Ça veut dire 20 plus 40, fais-toi 60 depuis là. Mais jusqu'à là. Ça, les amis, jusqu'à là. Ok, alors très simple, nous allons savoir avec n en ligne droite. Ça, c'est les constant speed. Nous allons savoir avec n en ligne droite. Et ça, bien sûr, ça aussi avec n en ligne droite qui fait, dis-toi, l'infini, ou l'infini avec une constant acceleration. Alors, si accélération, les constant, les besoins n en ligne droite. Alors, par exemple, une fois, tu vois la question de toi, il goes up avec un increasing ou decreasing acceleration. Alors, vous allez comprendre. La cause d'une n, speed, time graph, donc gradient de la graph là, c'est en fait l'accélération. C'est par exemple, si tu as une n, increasing acceleration, tu shape bien comme ça, comment cela? Je donne ça comme ça. Decreasing, bien comment cela? Je vais ça comme ça. Alors, tu te rappelles bien, quand les constantes divisent la ligne droite, je vais donner acceleration, point speed, time graph, et que c'est l'increasing, les besoins monter, decreasing, les besoins descendre. OK? À cette question, partie A. À cette partie B, calculate the acceleration of the car in the first 20 seconds of the journey. Alors, très simple. Comme on nous dit, accélération, c'est en fait gradient de nos graphes dans un time 0 à 20 là. Alors, il y a beaucoup de façons de retenir sa réponse là. N, c'est de capable de servir 10 points, l'aura line là, et puis tu retires ce gradient. Soit tu es capable de servir méthode de right angle triangle. Très simple, c'est pareil en fait. Même affaire ça, mais nous servons une différente méthode. Vous devez là, nous avons right triangle, nous avons ici,
Right angle triangle, sorry. Alors, pour nous rendre son gradient, qui est égal à son accélération, nous prenons son height, 15, divisé par son base, c'est 20. Alors, on est capable de diviser par D, top gain, 7.5 log 10, et divisé par 10, top gain, 0.75. Alors, réponse, 0.75 meters per second square. C'est question numéro 9. Restez passant à question numéro 10. Nous allons use set notations to describe the shaded region inside of the Venn diagram. Alors, très simple, nous avons sa région qui est une shade ici-là. Alors, pour commencer, nous allons prendre un délai ensemble. P, N, 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 R, c'est P, union R. D'accord? Et ensuite, nous trouvons qui? Nous intersectons une région en DOQ. Intersecting une région Q, mais en DO. Alors, ça, c'est réponse pour Tian. Ça, symbole-là, c'est en DOQ. OK? Not Q. Alors, c'est pour B. Il y a X, c'est un numéro positif. Très bien. Ça c'est universal set. Ça veut dire que tous les numéros là-dedans sont positifs. Alors, c'est A, c'est un numéro qui entre 9 à 10. OK? Et B, numéro là est un irrational number. OK? Alors, pour définition, un irrational number, c'est un numéro qui n'est pas capable d'exprimer en termes de fraction. Il n'est pas exact. Tu comprends? C'est ça pour définition. Alors, d'habitude, dans beaucoup de cas, un irrational number, c'est un numéro qui, comme un square root. OK? Alors, nous faisons un point à dire. Write down an element A intersecting B. Ça veut dire un élément qui, de un groupe là, qui ne peut pas définir par les numéros qui entre 9 à 10 et qui les besoins aussi irrational. Alors, très simple, nous faisons étape par étape. Le numéro là est entre 9 à 10, bon d'accord, right? Et pour le numéro là est irrational, nous faisons étape par étape. Alors, nous devons comprendre que 9, c'est aussi root de 80, d'accord? Right? 10, c'est aussi root de 200, d'accord? Comme la plupart du temps nous connaissons, ben, le numéro irrationnel ne fait partie. Nous connaissons la plupart des bizarres, ben, root, ben, square root, numbers, la plupart du temps les irrational. Ça veut dire, si nous remplaçons ainsi, 81, x, 100. Alors, entre ces deux numéros-là, qui nous a? Nous avons le numéro root de 82, root de 83. Nous allons jusqu'à root de 89. Alors, nous choisissons le numéro qui entre ces deux numéros-là. Pour les pots irrationnels. Par exemple, on va prendre un numéro ici là. Route de 83, les pots irrationnels. Route de 89 aussi, les pots irrationnels. Alors, n'importe quel numéro en deux square numbers sur square root, les besoins irrationnels. Ça, c'est question partie B. Ça, c'est question numéro 11. Nous allons solve the simultaneous equation. Ça veut dire la valeur de x et de y. À cette époque, la question là, en fait, il y a deux façons pour faire la question là. N, c'est bien sûr par méthode d'élimination. Et l'autre, c'est par méthode de substitution. Dépend de nos préférences. Ici, nous sommes capables de faire 2y in subject. Alors, 2y pour égal 6x retiré 6. D'accord? On envoie ça là, on envoie ça ici. Équation numéro 1. Assez nous réaliser qu'ici, 4y, c'est aussi 2 fois 2y. D'accord? 4y, c'est 2 fois 2y. D'accord? Mais assez nous aussi connaît qui? 2y, c'est ça. 2y, c'est ça. Nous remplaçons ça dans le bruit. 9x plus 2. 2y, c'est ça. C'est 6x moins 6. Ça peut égaler moins 5. Simplifier, n pour n. Donc, 9x plus 12x moins 12 pour égaler moins 5. Simplifier. Ça fait toi 9x plus 12 fait toi 21 égale 12 sur moins 5 plus 12. Alors, donc 21 égale valeur de 7. X pour égal 7 divisé par 21, top gain, n le 3. C'est finalement, autre valeur de y, alors 2y égale 6 fois n le 3, retirer 6. Alors 2y pour égal, ça couper, couper, faire 2, 2 retirer 6, c'est toi, moins 4,
Alors, y pour vin, moins 2. Réponse C. X pour vin, NO3. Et y pour vin, moins 2. À ces réponses, numéro 11. C'est passons à question numéro 12. Alors, partie A. Nous allons write these numbers in order of size, starting with the smallest. Alors, commencer avec plus petit numéro. Alors, d'après ce power, on a moins 3 ici, moins 4, moins 5, moins 4. Bien sûr, moins 5 pour besoin, plus petit. Alors, ça c'est 1,7 fois 10 puissance, moins 5. Ensuite, nous prenons moins 3, moins 4, moins 4. Alors, on a 2 là, la cause moins 4, moins 4. Mais ici, on a 4,2, des besoins, plus petit. 4,2 fois 10 puissance moins 4. Alors, par exemple, faire comme on dit, on a moins 4,2 ou moins 3,5. Laquelle plus petit? Tu as besoin de comprendre qui? Le négatif, nous commençons ici, 0 par exemple. Quand on a le pli au fond ici, nous pouvons plus négatif. Ça veut dire moins 3,5 ici, là, mais moins 4,2 après 4. Après 3,5, ça veut dire que ça les besoin plus petit que ça. Alors c'est pour ça la cause, ce power est négatif, ça les besoin plus petit que ça là. La cause valait là, les besoin les plus en dedans que ça là. Et là, tu obtiens ça ensuite, 3,5 fois 10 puissance moins 4. Et finalement, nous obtenons 2,1 fois 10 puissance moins 3. À cette façon, en partie B, on a. Valeur de P, c'est 6 fois 10 puissance 10. Valeur de Q, c'est 5 fois 10 puissance 9. À ce niveau, nous allons évaluer ça. Opération 1, P retirer Q. Alors, N point N, P, c'est 6 fois 10 puissance 10. Retirer ici. Q, c'est 5 fois 10 puissance 9. Mais à ce niveau, nous ne pouvons pas ajouter. Qui fait la cause de power de différent. Nous ne pouvons pas faire avec 9. Nous avons 10 pour là. Tu peux gagner 60 fois 10 puissance 9. Mais à ce la cause, ce power est pareil. Nous sommes capables de prendre devant là. Retiens ça. 60 retiré 5, fais-toi. 55. Là, les restes, vous gagnez 10 puissance 9. Mais de réponse, nous avons en standard form. Alors, nous avons besoin de décimal place là. Vous gagnez 5,5 fois 10 puissance 10. À cette partie 2, c'est le valeur de PQ. PC, 6 fois 10 puissance 10. Multiplié par Q, c'est 5 fois 10 puissance 9. Mais à ce moment-là, quand nous faisons multiplier soit division, il y a pas de différent qui moins soit plus. Nous ne pouvons pas faire directement. Alors 6 fois 5, c'est 30. 10 puissance 10 fois 10 puissance 9, c'est 10 puissance 19. Parce que nous devons comprendre qui, laws of indices, ça veut dire que moi, je n'ai a par 2 fois a par 3. La cause de base est pareille, A avec A, nous pouvons ajouter ça de là-haut, là. 2 plus 3. Ok? Ça fait que moi, je n'ai A par 2 divisé par A par 3. La cause de base est pareille, nous pouvons combiner ensemble. Il y en a 2 ici. Mais la cause de la division ici, divine, divine, retirer 3. Quand on a multiplié, nous faisons plus. Quand on a division, nous faisons retirer. Alors, pareil ici, de base est pareil. On a multiplié ici 10 plus 9, 19. Mais mes réponses en termes de standard form, les 3,0 fois 10 puissance 20. C'est question numéro 12. À cette question numéro 13, nous expand n point n, très simple. Ça fait toi x square moins 6x plus 9. Assez, c'est pas qu'on ne fait pas fait non rien, nous pouvons comprendre que ça c'est en fait égal x moins 3 fois x moins 3. De expand, tu as besoin de ça. À cette partie B, factorise ça étape par étape. Nous réécrire ça, nous faisons 18 moins 6y, l'espace, plus 5xy moins 15x. À ça, nous réaliser qui? Nous avons 6 communs de rendez là, parce que nous connaissons 18c. 18c aussi 6 fois 3. Nous prenons 6 avec 6 les communs. Nous retirons les, nous factorisons les, nous gagnons 6 d'eux. On a donc 3 moins y. D'accord? Et qu'ici, y, c'est x avec x est pareil. 5 avec 15 est pareil. Alors, nous tirons 5x de haut. Donc, la valeur de y moins 3. Mais c'est la seule différence qui nous reste. Ici, nous avons 3 moins y. Ici, nous avons y moins 3.
Alors, on est capable de réécrire ça. Par exemple, quand on a y moins 3, les mêmes affaires si nous disons, si nous disons minus sine de o, minus 1, n'est pas égal 3 moins y. Ça, les mêmes affaires que ça, mais nous réécrire de la façon là. Pareil ici, tu gagnes 6, 3 moins y. Nous retirons minus 1 de o, tu gagnes minus 5x, mais on donne les bouvines 3 moins y. Astia, les autres pareils, d'accord, tu vois? Si c'est pareil, nous pouvons factoriser de o, bien sûr, tu gagnes 3 moins y. Et que ça restait 6 moins 5x. Ça, c'est partie B de factorization. Question numéro 13. C'est passons en question numéro 14. Alors, partie A. Nous allons write ça en formule. Alors, étape par étape. Nous allons commencer par expandre ça de gain. X square moins 2ax plus a square retiré B. C'est nous comparer. Ici, nous avons n. Ici, nous avons n. Allez, pareil. Ici, nous avons moins 2a. Ici, nous avons moins 7. Ça veut dire que nous allons comparer. Moins 2a égale moins 7. Ça veut dire a égale 3,5. Assez ici, nous avons a square. Ça veut dire 3,5 square. Moins b. B égale 5. B égale 3,5 square. Moins 5. Alors, 3,5 fois 3,5, c'est combien? N pour n. 5 fois 5, c'est 25. 3 fois 5, c'est 15, plus 2, c'est 17. P0. 5 fois 3, c'est 15. 3 fois 3, c'est 9, plus n, c'est 10. Alors, ça fait 1, 5, ça 2, ça 12. Alors, ici, la cause de la n decimal place. Ici, nous avons n decimal place. En tout, nous prenons 2 decimal place, comptez nd. Alors, réponse vient. Ça vient. 12,25. Retirez 5, fais-toi. Retirez 5, fais-toi 7,25. Alors, réponse vient. Remplace ça à dedans. Donc, x moins a, c'est 3,5. Square. Moins b. B, c'est 7,25. Assez. Question. Partie A. À cette question, partie B, nous faisons hence, ça a servi ça, partie A là, nous faisons write down the minimum value de la fonction là. Alors nous faisons comprendre que quand nous expressons, nous, la expression là, en termes de complete square form, on appelle ça une complete square form, valeur pas derrière là qui restait là, on appelle ça une stationary value. Mais ici, la cause, qui est ce coefficient of x square li 1 li positif, so, valeur, nous faisons n. Minimum value. So hence, write down the minimum value, so value à la fin, c'est moins 7,25. Ça c'est partie B. À ce numéro 15, nous allons write down 168 as a product of its prime factors. Ça veut dire que nous allons write prime factors pour commencer. N point, n c'est suite, divisé ça par D, qui fait la cause de even, capable de diviser ça par 2. Tu peux gagner 8 et 4. Divise par D encore, tu peux gagner 4 et 2. Divise par D encore, 21. Divise par 3, tu peux gagner 7. Alors au final, nous pouvons dire 168, c'est la même chose que 2 fois 2, fois 2, fois 3, et fois 7. Ça c'est ce product of its prime factors. Alors c'est parti B. The highest common factor, the HCF de 168, 168 avec un numéro n qui nous bat qu'on a dit 42. À ce 42, c'est quoi? C'est bien sûr 2 fois 3 fois 7. Ça, c'est ce product de ce prime factors. D'accord? À ce n'est qui n se valait divisé entre 200 à 300. Ça, c'est condition pour valeur de n. Nous avons deux valeurs possibles de n. Alors, avant de faire la question, nous allons comprendre comment nous avons HCF de deux numéros. Par exemple, faire comment dire nous avons 8. 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Et faire comment dire nous avons 12. 12, c'est 3 fois 2 et fois 2. Alors, comment tu vois ce HCF? HCF, c'est Highest Common Factor. Ça veut dire, ça les match avec ça, ça les match avec ça. Alors, ça les match, tu as la réponse 2 fois 2. Ça, c'est ce highest common factor, tu peux gagner 2 fois 2. Alors,
Pour la même méthode, nous comprenons qui nous apprend le numéro ici, là. Par exemple, ici, c'est 168 divisé 1. 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 7 dans partie A. Donc, ça ici, d'accord. À ce numéro n, divisé au minimum, il y a 2 fois 3 fois 7. Parce qu'il s'agit chez nous, c'est comme un facteur, il y a un match. Tu vois? Mais c'est pour une valeur manquante ici, là. Qui valeur nous capable de prendre? Donc, on va prendre seulement n, même prime factors. Parce que nous devons chaque fois qu'on exprime ça, c'est en termes de prime factors. Prime factors, prime factors. Ça veut dire ici, divisé n, prime factor. Mais quel est le numéro prime que nous connaissons? 2 les prime. 3, 5, 7, 8, 9, 11 prime et 13. Il y a les m. Ah, ça veut dire, le numéro manquant, on a besoin de la liste là. Est-ce qu'il est capable de? Non. Qui fait? C'est de mettre D ici. De HCF, les puissances Z, les pouvaient un autre numéro. Les pouvaient 84. Qui fait par exemple? Par exemple, ça m'explique ça. On a N6, 8. Donc, 2 fois 2. Fois 2. Fois 3. Fois 7. N est pour là. Fait que moi, je disais, ouais, ben, ça n'est moins capable de. Alors, on a D fois D. Fois 3 fois 7. Mais si ça l'est pour D, qui nous SCF? SCF l'est pour? Ça match avec ça. Match. Et que ça match, match, tu gagnes. 2 fois 2 fois 3 fois 7 l'est pour? 84. Mais malheureusement, question de toi qui? Sur SCF, l'est bizarre 42. N'est pas capable 84. Alors c'est pour ça qu'il ça n'est pas capable 2. Ok? Est-ce qu'il est moins capable 3? Testez. Si tu mets 3 là, sur SCF, il est 42. Mais est-ce qu'il est capable 3? Testez 1. 42 fois 3. Ça, c'est 42 fois 3. Donc, vous gagnez combien? 2 fois 3, c'est 6. 4 fois 3, c'est 12. Alors, n capable 126. Mais malheureusement, c'est l'autre condition. Hein, c'est ça. N misé entre 100 à 300. Alors, ça, pas possible. Alors, pas possible. Alors, c'est 5. 42 fois 5. 2 fois 5, c'est 10. Et que 2, 4 fois 5, c'est 20. 20 plus 1, c'est 21. Alors, il descend 10. Nous réalisons qui? Descend 10, il entre, ça dit là. Alors, il bien sûr, il est possible. 210, il y a une valeur possible de n. Alors, c'est pour l'autre là. Il y a une valeur de 7. 42 fois 7. 2 fois 7, c'est 14. 4 fois 7, c'est 28 plus 1, 29. Alors, ça, les mots là, c'est les 11 salles de là. Ça veut dire ça aussi, il y a une valeur possible de n. 2,94, et que ça c'est deux valeurs possibles de n. Ça, c'est question numéro 15. Mais la chose principale ici, c'est que tu dois comprendre comment nous avons SCF. SCF, c'est un prime factors de chaque numéro. Nous faisons un match. Deux matchs avec ça, match avec ça. Alors, ça, c'est pour ça, highest common factor. Alors, c'est la même logique là. Nous comprenons qui? Nous avons un prime factors là, et là. Et nous connaissons déjà sur HCF, divisé 42. Alors, nous avons un numéro ici pour qui satisfera des conditions là. Ça et ça. C'est n pour n, de trouver qui? Ça l'est pour D au range là. Et que ça l'est pour 2, si tu mets 2 là, sur HCF pour 100, il va pour bon. Service 5, 5 est bon, et 7 est bon. Alors, il y a là pour te valer n. Étape par étape, question numéro 15. À cette façon, question numéro 16. Triangle A and triangle B are drawn on the grid. C'est-à-dire, on a des triangles, triangle A avec triangle B, l'OHA, graphe là. À cette partie-là, describe fully the single transformation that maps A onto B. C'est-à-dire, depuis A, nous avons une B. Nous réalisons que notre shape, notre size, les pareils, tu trouves? A avec B, le même size. Alors, pour élimination, nous connaissons quatre transformations que nous apprenons. N, c'est translation, rotation, réflexion et enlargement. Là, ce size, il paraît, bien sûr, ça, pas possible. Enlargement. Alors, reflection, non. Rotation, non. Bien sûr, seulement translation restée. Tu vois qu'il dit un slide depuis là. C'est un slide, ça veut dire libre n, translation. Alors pour n point, tu écris translation. Alors pour l'autre point là, nous faisons écrire ça, translation vector. Alors ça point là, invine ça point là, nous faisons move n, d, 3 côté gauche. Alors move 3 côté gauche, c'est minus. Là nous montre là-haut, n, d, 3, 4, là-haut pas, plus 4.
Ça c'est où? Translation vecteur, partie A. Ah, c'est partie B. Ça c'est pour le deuxième point là, 2 points. Translation c'est 1 point. Colonne vecteur c'est 2 points. 2 points, done. Bam. Ah, c'est partie B. Triangle A, triangle A, is mapped on the triangle C by an enlargement with center 0,3. Alors, centre là, bizarre. 0,3 c'est là. Exoscale factor est bizarre, moins 2. Ok? Ah, c'est dessine triangle C. On fait dans deux méthodes pour eux. Triangle AC, NC par matrix, NC par orthographe. Vous savez, graphe le plus facile en fait. L'étape numéro 1, c'est Zouane Nouban, vertices avec sa pointe là. Alors, ça, les bouvines. Nous avons ça ici. Une straight line. Ça, les bouvines, nous avons ça ici. Pas une straight line. Et ça, vous avez ici avec une straight line. Ok. Alors, nous comptons assez à la cause de facteur li, minus 2. Ah, c'est minus, nous avons compris, c'est bien sûr, c'est juste direction. Alors, minus, ça veut dire, le triangle, nous avons en face de nous, de l'autre côté. C'est ça, li, ça veut dire minus. Minus, il n'y a pas un grand effet, c'est seulement qui. Si nous avons minus, ça veut dire notre triangle, sur nos images, du coup, l'autre côté nous, point de centre. C'est ça que ça veut dire, c'est ce meaning, ça veut dire. Ce minus sign, c'est ce meaning qui, nous, point de centre, les bizarres entre ça du là, entre ce objet et son image. Mais 2, ça veut dire les lignes 10 fois plus grand. Alors, par exemple, ici, c'est les pour n, ça, longueur pour n, n square, les bizarres 10 square. Alors, ça, externe là, vous avez 2 square. Alors ici, nous avons 2 square, ça, avec ça. Ça veut dire ça, ça aide là, les vins, ça aide là. Pareil, ça, les chiffres D, N, D, vous avez 4. Alors ça, monter, 4, les poux, 1, 2, 3, 4, vous voyez? Ça, les frères à 4. Et que ça, finalement, nous avons ça pour nous former le triangle. Bien sûr, vous savez bien la règle pour faire une straight line pour un triangle là. Dans ce triangle de C, de label, les poux de full marks. La étape par étape, pour mes affaires, nous avons nous un point avec nos centres. Bam, bam, et bam. À ça, nous comptons, et c'est les 1 square, le scale factor, les minus 2. Minus, c'est bien sûr juste direction, en face de A, point ici là. Ok? Mais 2, c'est 2 fois A, size là, les n carré. 2 fois n, c'est 2 carré. Vous avez vu? Continue là. 2 carré. Alors, ça ici. Assez ici, les deux carrés là, nous fera pour les faire 24. Alors nous continuons là. Tu vois, là, les 24. Alors là, nous avons pas mal de straight lines. Ça, c'est bien sûr une méthode pour faire, pas une méthode de graphe. Assez, si tu as envie de commencer à servir à fraction, à pas sur pas fraction, matrix, mais niveau un peu long. Mais méthode, c'est bien sûr matrix times object égale image. Mais tu ne peux pas faire seulement si tu as centre libre 0, 0. Mais à ce qu'on n'est pas 0, 0, tu ne peux pas faire libre 0, 0. Par exemple, ici les 0, 3. Pour mes affaires, tu as 0, même point A. A c'est object, point object. Tu as retiré centre. S'il n'est pas 0, 0, tu peux gagner un nouveau point de A qui est un point avec 102, pour référence 102, 0, 0. À ce avec ça, même point de A là, tu apply ton matrix, matrix times object. Tu gagnes les images de ça. Et que finalement, après, tu vas réajouter ton center pour te gagner ton point 2 de triangle aussi. Et c'est comme ça que tu as ça. H-shape là. Mais again, si tu n'as pas compris sa méthode là, tu as servi grave directement. C'est question numéro 16. C'est passons à question numéro 17. Nina has 6 cards. Each card has a shape on it. Nina a 6 cards. Exact card in an and then formula. Là. Nina, cercle, 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 triangle, triangle. Nina, 4 circles et 2 triangles. D'accord? En tout, Nina, 6 cards. À cette question, on disait complete the tree diagram. N point N. Premier card que j'y prends, c'est une circle. 4. 4, l'eau 6. D'accord? Deuxième code, nous prenons le circle, nous les restes après, donc 3, 5 bien sûr. Mais triangle, nous prenons 2, 5.
Pareil ici, triangle est beau, 2, 6. D'accord. Si nous prenons un triangle, nous prenons bien sûr 4 cercles restés, 4 lots 5. Ici, nous avons 1 lot 5. Ah, c'est question partie A. Ah, c'est partie B. Nous mesurons dans le sens que les shapes on Nina's two cards, they are the same. Nous apparaissons. Ça veut dire qu'ils peuvent. Circle and circle or triangle and triangle. Nous servons nous, diagramme. Circle and circle, circle and circle. Nous avons 4 lots 6. Et nous avons multiplié 3 lots 5. O, c'est plus. Triangle, c'est 2 lots 6. N, c'est multiplié. Triangle, c'est N lots 5. Simplifiez N pour N. 4 fois 3, c'est 12. 6 fois 5, c'est 30. 2 fois N, c'est 2. 6 fois 5, c'est 30. Simplifiez. 12 plus 2 fait 3. La cause de base est pareille. Nous pouvons ajouter là ou là directement. 14 lots 30. Et finalement, divisé par 2, tout pour gagner. 7 lots 15. Réponse, 7 lots 15, partie B. Passons à question numéro 14. Nous avons R égale 4P plus 2 divisé par 3 moins P. Partie A. Route valait de R quand valait de P lie pour moins 2. Alors très simple, nous remplaçons P dans l'équation. R pour égal 4 fois moins 2 plus 2 divisé par 3 moins moins 2. Donc vous gagnez. Là où c'est moins 8 plus 2 divisé par 5. 3 retiré fait un plus 5. Ça fait toi moins 6 le 5 moins n point 2. Assez bien sûr, tu es capable de laisser ta réponse en termes de fraction aussi, mais si tu as envie, tu es capable de s'en servir les vins. Alors, comment on fait ça? Très simple. On réalise qui? On a moins 6 le 5, mais mon capable c'est fois 1 par 2 et fois ça aussi par 2. Tu gagnes moins 12 le 10. C'est beaucoup plus facile pour faire 12 divisé par 10, c'est pour exactement 1.2. D'accord? C'est pour ça qu'on connaît qui? C'est grâce à ça. C'est parti A. C'est parti B. Nous avons réarrangé sa formule là. Nous faisons P bin subject of formula. Étape par étape. Nous prenons R égale à une fraction. 3 moins P. R c'est aussi R log N. D'accord? L'étape numéro 1 c'est bien sûr above, cross multiply. Donc vous gagnez 3R moins PR égale 4P plus 2. On avait 2P un côté, donc vous gagnez ça ici, et que ça pour là, donc vous gagnez 3R moins 2 égale 4P plus PR. P factorise, donc vous gagnez 4 plus R, donc vous gagnez 3R moins 2. Et que finalement, P égale 3R moins 2 divisé par 4 plus R. Ah, c'est P en termes de subject de deux formula. Ah, c'est parti, B, question numéro 18. Ah, c'est passons, question numéro 19. Alors, Y est inversely proportional to the square of X. D'accord? Mais ça, lui aussi, il est égal, Y égale K log X square. D'accord? Mais assez, nous connaissons ça, là, quand X égale 4, Y égale 10, alors, quand Y égale 10, X égale 4. 4 squared, c'est 16. Ça veut dire K bis égale 160. La nouvelle équation de bis Y égale 160 divisé par X squared. Assez bien, c'est remplacé. On va valer de Y quand X égale 10. Alors, Y, 10 squared, c'est 100, 1.6. Réponse, Y bis 1.6. À cette partie B, describe the effect on y when x is halved. Alors, quand x devine half x, c'est le type x square, le type devine 1 log 4 x square. D'accord? Par exemple, ça, le type devine qu'est-ce que ça fait? Tu prends ça ici, par exemple, fais comment tu prends ça ici. Le type devine y, le type devine 160. Divisé par x log 4. Alors, littéralement, nous connaissons. Donc, on va réarranger ça. Divisé en fait, égale 4 fois
160 divisé par x squared. D'accord? Ça, c'est la même chose que ça. Nous connaissons ça, c'est bien sûr y, right? 160 divisé par x squared, c'est y, d'accord? Ici, c'est y. Ça veut dire, si x vient half, nous trouvons qui? Y is multiplied by 4. OK? Ça. Voici, quadruple ou multiplied by 4. Divisé, multiplié par 4 fois. OK, étape par étape, passons en question numéro 20. On est en tout 25 questions. Alors, numéro 20 simplifie sa fraction-là. Pour nous faire la cause, Paula est négatif, nous avons fait une positive. Et comment tu fais une positive? Par exemple, fais comme imagine le schéma, A divisé par B, Paula moins C. Pour faire ça, fais une positive très simple. Nous avons juste flip ça là-haut en bas. Fais B monte là-haut, A vient en bas, Paula vous vient. Vous venez comme ça. Même logique. On avait ça là, là-haut, et ça en bas. Et Paola Bouvine, positif. Alors, c'est simplifié un pour un. Ici, nous prenons Paola 7, ça coupé. Bouvine 2, ça coupé. Maintenant, 8. Top guy. Y, Paola 8, divisé par 9. X square. Power half. C'est Y square power half, maintenant, Y power 4. Et 9 power half, c'est bien sûr 3, parce que nous connaissons 9, c'est en fait 3 power 2. Et finalement, x square power half, c'est bien sûr x. Réponse fais-toi. Y power 4 divisé par 3x. Ça, c'est réponse partie 20. À sa réponse numéro 21, nous avons a cuboid has a square base. So, base line square. Un cuboid, c'est un shape comme ça. D'accord? Et so, base line square. The length of the base is y, ça veut dire sa length là, li y, ça veut dire ça aussi, bien y à la cause de n square. Et the height, so hauteur, of the cuboid is twice, deux fois, length, so hauteur, bien 2y. D'accord? Assez, the total surface area of the cuboid is 360 cm². Alors, comment tu rôtes total surface area? Nous comptons, en tout, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous avons 6 sides en tout. Quand on ajoute tous les 6 sides, il fait toi 360. On le retient. Ça. Alors, sa base fait toi y fois y, c'est y square. À cette base, il paraît comme là-haut, là, nous faisons encore y square. Et que ça fait toi y fois 2y, 2y square. Plus, ça aussi, 2y square, 2y square, 2y square. Ça veut dire 2y square, 2y square, et 2y square. Quand on ajoute tout, nous connaissons sa valeur n de notre port 360. La n2 plus 8 de 10 y square. Y square fait toi 36 et y fait toi root 2 36 fait toi 6. Et finalement, root sur height. Sur height, c'est 2 fois sur length. C'est 2 fois 6 fait toi 12. 12 cm, c'est sur height de ce cuboid là. C'est la question numéro 21. C'est passé en question numéro 22. C'est toi? Here are the first three patterns in a sequence made using dots and line. Ok, nous avons un pattern numéro 1, 2 et 3. Ça, c'est pas une shape qu'il y en a dans une sequence. À cette partie-là, nous avons complété le table pour les premiers 5 patterns-là. Alors, n par n, nous comptons. Alors, numéro 3, number of dots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, 9 dots. Number of lines, comptez. Nous avons 1, 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lights. Assez pour quatrième pattern. On peut observer, n par n. À chaque fois, nous pouvons augmenter ça par 3, 3 et 3. 12. 3 encore, 15. D'accord? Assez ça, augmente ça par 5, 5. 5, 17, 5, 22. À ces questions, partie N, fais pas observation. À cette partie B, nous devons find an expression in terms of N for the number of lines. Number of lines, c'est ça. L'expression en termes de N. Très simple. Nous trouvons ici, le point A, first term les 2, deuxième term les 7, troisième term les 12. Chaque fois, le B augmenté par plus 5, ça veut dire que nous avons N, arithmetic equation.
Alors, comme chaque fois, les plus 5, nous créons plus 5 n pour l'instant. Mais nous connaissons, par exemple, si tu peux terminer le numéro n, alors nous remplaçons n par n. 5 fois n, c'est 5. Mais réponse actuelle, il y a en fait 2. Comment te faire 5 moins 2? 5 besoin retirer 3 pour le 22. Alors, pareil, on amène ça là-haut. Tu peux gagner ça. Ça, c'est tout. Terme en termes de n. 5n, retirer 3. Merci, bien sûr, de pouvoir tester. Donc, on est quand n égale 2, deuxième terme, supposé gagner 7. On remplace ça dans quand n égale 2, le supposé gagner 10 moins 3, supposé gagner 7. Alors, ça, c'est réponse. Confirmé, les bons. Ça, c'est le terme de, en termes de n. Ça nous fait un portier. Maintenant, Anwar, il makes one of these patterns using 92 lines. C'est 892 la ligne. Nous connaissons. On essaie de faire la ligne, lines, les 92. D'accord? Alors, c'est find the number of dots. What number of dots ici pour Anwar? Étape par étape, nous savons ça. Nous connaissons en tout ça, ça c'est le nombre de la ligne, l'Ibsen 92. Nous avons ce terme. Sur ce 5n, l'Ibsen 95. On va ça ici. N égale 95 divisé par 5. N, donc 1, 4 et 9. Ça veut dire ce terme, ici en fait, 19e terme, ça veut dire x, ça veut dire autant. Nous avons le valeur de x, très simple. Number of dots, c'est en fait par observation de trouver. Ça peut venir ça, nous avons fois par 3, fois 3, fois 3, fois 3, fois 3. Pareil, fois 3, pour que ça. Alors 19 fois 3, fais-toi. 9 fois 3, c'est 27, c'est 57. Question pour tisser. Assez, passons à question numéro 23. Assez, avant de faire la question, nous allons connaître une des formules, par exemple. Quelle formule nous servir pour notre area de un circle? Alors, area de un circle, c'est bien sûr notre pi r square. Area de un circle. R, c'est radius. C'est area d'un secteur. Nous avons connaissé angle qui, secteur là, il y a, divisé par 360 fois pi r square. R, c'est encore sur radius. Alors, nous avons connaissé celui-là pour qu'il grave soulever nous questions pour ici 23. À cette heure, le diagramme shows two circles, both center. Center, c'est bien, voilà, c'est ça. Assez, the radius of the small circle is 3. Ça veut dire que ce petit circle là en long là, ce radius est 3. Ça c'est 3. D'accord? Et the radius of the large circle is 6. Ce grand cercle là, ce radius ça, en tout les 6. Ok? Assez, the minor sector AOB, ça secteur là, AOB minor là, ici là, ça l'angle là, 60 degrés. Ok? 60 degrés. Question numéro 1 de toi. The total area, ça area de nous shaded regions. Et en fait, 4 pi centimètres square, ça, et ça, ensemble, nous faisons k pi centimètres square, on valeur de k. C'est une question qui, vraiment, n'est pas autant difficile, mais nous a fait étape par étape. Ok? Alors, comment te mon area de nous shaded regions? Donc, à 100 parties, donc, on va dire, area là, c'est bien sûr, et area. Sa grande partie, on appelle ça area partie A plus ça, la petite là, area partie B. Alors, comment tu vois area B? Area B est plus simple. C'est en fait ça, area de secteur là, radius 3. Area de secteur, c'est long, 60 degrés, divisé par 360 fois pi r square, c'est ça, radius square, 3 square, divisé par 60, donc n, et 6. Ok, et que finalement, 3 fois 3 c'est 9, divisé par 6, pareil, 3, 3 le 2, pareil. Alors, area de ça B là, les pouvez 3 le 2, pareil. À cette partie A, comment est votre area de H-shape là? Nous avons besoin, pour mes affaires, votre area de nous, cercle entier là. Nous avons ça area ici là, par exemple, nous avons pas votre ça avant, ça area. En déo là, nous rôde ça en entier.
D'accord? La courbe de Broad, ça de Broad, ça prend une formule. Area du gros cercle, retirer area de petit cercle. Alors, pi r squared gros c, 36, retirer pi r squared de petit c, c'est 9. 36 retirer 9, c'est 27 pi. Pour nous, area du A, ça ring là. Mais à cette de réaliser qu'il d'après le dessin, qu'il n'y a pas besoin de la partie là. Alors, comment tu rends area sa partie là? Très simple. Étape par étape. Ça, c'est ça, bien sûr. Alors, pour nous rendre sa partie ici là, nous faisons prendre area, un gros secteur là, retirer sa shape en dedans là. Sa shape en dedans, nous désignons là dans partie B. Ça, c'est la shape en dedans. 3, le 2, pareil, c'est bien sûr n.5, pareil. Alors, comment on retrouve ça ici là? Nous retrouvons un grand là, bon, grand C, bien sûr, 60, le 360, fois pi r square, radius c'est 6 square, c'est 36. Divisé par, alors, 6 square, 36, divisé par 36, n, toi 10, divisé par 10, 6, 6 pi. Alors, area entier là, fais-toi 6 pi. Et area 100 là, fais-toi n.5 pi. Alors, ça, partie là, fais-toi combien? Ah, partie là, fais-toi en fait 6 pi, retirer 1.5 pi. Fais-toi 4.5 pi. Alors, ça, c'est 4.5 pi. Ok, alors finalement, depuis 100 là, nous sommes capables de retirer ça ici là. 4.5 pi. Tu gagnes combien? Alors, double gain. Alors, 7, alors, le point à 0 pour d'ailleurs. 6, 10, 5 là. 6, retirer 4, fais-toi 2, et 2. Alors, area de la partie là, et c'est bon, 22.5. Mais area de nos shield regions, en tout, le plus ça, d'accord? Alors, finalement, c'est 1.5 plus 22.5. Fais-toi 24 pi centimeters square. Comparé avec ça, k pi centimeters square, nous réalisons qu'il y a en fait valeur de k, c'est 24. Moi, j'espère que ça make sense. Nous faisons étape par étape. Pour mes affaires, nous avons area de la shape en dans là. Là, nous avons area de la ring là, entier. Et ensuite, nous avons area de seulement sa partie là. Là, nous retirons ça depuis la ring là pour nous gagner seulement ça. Excellent, nous prenons ça, nous plus ça, pour nous gagner le area de Shield Regions. C'est question numéro 23. Assez, passons à question numéro 24. Assez, il y a points, A, B, C, points on the circle center O, such that AB égale BC. Alors, AB, les mêmes longueurs avec BC. D'accord? Assez, P is the midpoint of a chord AB and Q is the midpoint of the chord B. Ça veut dire, point P et point Q, c'est le midpoint de la ligne AB là, et le midpoint de la ligne BC là. Ça veut dire ça, et que ça faisait pareil, ça et que ça faisait aussi pareil, d'accord? Ça ligne exactement sur le midpoint. Et qu'aussi, il y a question, prove that triangle AOP et AOP et triangle OCQ, OCQ, c'est congruence. Congruence, c'est exactement la même. Et la méthode de service, c'est la méthode 2. SSS nous prouvait que ce corresponding sides sont equal. Alors, très simple, pour mes affaires, nous sommes capables de dire sa side là, pareil avec ça, on écrit AP égale avec CQ is according to question. D'accord? C'est partie N. Deuxième, c'est bien sûr ça là. Ça, side ici là. Pareil avec ça. Qui fait? J'ai OA égale OC qui est à cause de radius de nos circles. Vous avez radius et radius. Et que finalement, numéro 3, c'est bien sûr ça là. OP égale OQ. C'est perpendicular distance from center, from O to the midpoint on the thing. C'est déjà pareil. Alors, pour SSS, according to SSS, nous réalisons qu'il triangle ça et que ça soit congruent. C'est question partie A. À cette partie B, given that the obtuse angle COA, les 140, nous devons faire attention avec ça, les mots là, obtuse.
Obtus angle, c'est ma longue qui plus qui 90, mais moins qui 180. Alors, COA, COA, les pour la longue ici là. Les bizarres, plus qui 90, mais moins qui 180, ça c'est 140. Racine numéro de valeur 2, longue QCO. QCO, nous voyons sa longue ici là. Étape par étape, bien sûr, nous réalisons qui, si nous faisons ça. Nous connaissons angle of center is always twice the angle at circumference. Ça veut dire si ça est 140, ça veut dire angle at circumference, c'est besoin de la moitié. Soit 10. Mais comme nous connaissons qui, la longue ici là, ça triangle ici avec ça est pareil, ça a besoin 35 avec 35. D'accord? La cause, ça triangle ici là, avec ça est pareil. Mais à cette VH pour ici, nous aussi réaliser qui, ça les radius, mais ça aussi les radius, ça veut dire ça longue là. Et que sa longue là, bizarre aussi pareil. Si ça 35, ça aussi bizarre 35. Étape par étape, question pour HIB, c'est longue QCO, c'est 35. OK? Pour mes affaires, nous réaliser, c'est angle at center, divisé twice angle at circumference. Ça veut dire si ça lit, fait que moins ça lit dx, ça lit bizarre x. 140, ça bizarre 70. Assez, nous réaliser qu'il y a un triangle ici là, et que ça ajoute pareil. Si il y a là pareil, la longue. D'écouter la cible, c'est pareil. En tous les soins 10, la moitié, c'est 35-35. À ce stade, VH par ici, tu réalises que ça, les radius, mais ça aussi les radius. La radius, c'est sa longue là, et c'est pareil. Ça, les 35, ça aussi, c'est 35. Alors finalement, longue, QCO, les 35. Alors, question pour TB. C'est passé en question numéro 25. Le rôle valait de PQ, alors P fois Q, PC. 4 moins 2, 3. Q c'est N, 0. 2 moins N. Row by column. Alors, très simple. 4 fois N, c'est 4. Plus 0, c'est 4. Row fois column. 4 fois 2, c'est 8. Plus 0, c'est 8. Row by column. Moins 2 fois N, c'est moins 2. Plus 0, c'est moins 2M. Row by column. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Plus moins 3. Alors, moins 2 fois 2, c'est moins 4. Plus moins 3, c'est moins 7. Question pour A. C'est question pour B. Nous avons M, c'est matrix 3, 2, moins 5, K. The determinant of M, c'est moins 4. Rôle valet de K. Très simple. Comment le rôle déterminant? Le rôle de ça pas. 3 fois K, retiré, retiré une fois 2. 3K, retiré, retiré D. 3K plus 2 égale tout, déterminant. Ça veut dire que 3K bien égale moins 6, K bien égale moins 2. À cette triangle, pas triangle matrix, ça, bien sûr, nous pouvons réaliser qui est égal 3, 2, moins N, moins 2. À cette pour autre chose, M inverse, très facile, nous devons sur adjoint matrix. Adjoint, c'est bien sûr, nous serons sur les oppositions. Moins D monte là-haut, 3 vient en bas. Sans autre signe, moins 2. Et que ça vient toi, une n. Et que finalement, M inverse, c'est bien sûr, ton matrix, ton adjoint matrix, divisé par ton déterminant. C'est moins 4. D'accord? Ça fait toi qui va lire. Fais-toi une half. Half. Sabine, moins 5 au 4, et moins 3 au 4. Sabine tout, M inverse. C'est question numéro 25.